Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'une marque premium aujourd'hui, à savoir Zadig et Voltaire. Vous êtes nombreux et nombreuses à m'envoyer des messages sur ma page Instagram. D'ailleurs, je vous invite à m'y rejoindre si vous n'êtes pas abonné à mon compte. Et vous m'envoyez plein de messages pour savoir si j'ai gardé tel ou tel sac. Donc, je vous remets juste ici ma vidéo sur ma collection de sacs premium. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Aujourd'hui, je veux vous montrer le seul sac que j'ai gardé de ma collection Zadig et Voltaire. Donc, je vous remets juste ici la vidéo que j'avais sortie sur ma collection Zadig et Voltaire. Il faut savoir que j'aime beaucoup tous leurs sacs de chez Zadig et Voltaire. Je trouve qu'ils ont toujours ce petit plus qui fait que j'aime. Voilà, c'est souvent d'ailleurs avec des strass. Je vous avais montré en photo sur Insta toujours un des derniers modèles qu'ils avaient sorti en forme de bourse avec des strass en cœur. Donc moi, tu me mets ça devant les yeux, je n'ai qu'une envie, c'est de foncer, l'acheter. Je vous avais fait un petit sondage, vous aviez été très nombreuses à me dire que vous n'aimiez pas. Bon, après, voilà, je suis restée... le sac que j'ai gardé, en tout cas, c'est le modèle très standard qui est le modèle Rocky de chez Zadig et Voltaire. On en reparlera juste après. À savoir que je pense avoir eu dans les mains quasiment tous les sacs que la marque a sortis. Parce que voilà, moi je suis une fan de la maroquinerie Zadig et Voltaire. Alors la qualité est très souvent controversée dans le sens où c'est beaucoup critiqué l'oxydation de leur bijouterie. Moi, j'ai jamais eu ce cas. Après, je reconnais que j'ai énormément de sacs, que je tourne souvent et que je ne porte pas au quotidien toujours les mêmes modèles. Mais pour le coup, j'ai déjà eu par exemple des sacs de chez The Couples qui avaient eu la bijouterie qui s'était oxydée bien plus vite par exemple que la marque Zadig et Voltaire. Moi, en termes de qualité, je n'ai rien à redire sur la marque Zadig et Voltaire. Et d'ailleurs, je trouve qu'en termes de qualité, ça me fait très souvent penser à la marque Saint Laurent, si je devais le comparer à une marque de luxe, dans le sens où, en termes de design, ils font souvent des sacs mous comme je les aime. On peut par exemple comparer celui-ci à un modèle de chez Saint Laurent, le Loulou, même s'il n'a pas la même forme, je veux dire, au niveau de la matière, c'est un peu pareil. Et il va avoir un peu les mêmes soucis de coins qui s'abîment. Mais ça, je pense que c'est pareil, c'est lié au fait que ce sont des sacs mous et que ce sont des sacs qu'on ne peut pas poser par terre. Et je pense que bah voilà, tout cuir a forcément les angles qui vont s'abîmer. Enfin, moi, ce n'est pas quelque chose qui va me faire dire « Ah non, la marque, c'est pas de la bonne qualité. » Pas du tout. Voilà, bon. Tout ça pour vous dire que je connais très bien leur gamme de maroquinerie, que je suis fan ultra de cette marque en termes de maroquinerie. Par contre, voilà, les prix, on n'est pas toujours... Ouais, j'ai regardé sur leur site et je voulais vous parler du modèle Cecilia, celui-ci. Alors, je l'ai vu en boutique puisque, une fois de plus, à Biarritz, on a la chance d'avoir aussi bien une boutique physique que un corner au sein des Galeries Lafayette. Donc, je privilégie, je vous le redis, une fois de plus, mes achats aux Galeries Lafayette puisque je cumule 10 euros tous les 300 euros dépensés dans ce merveilleux magasin. Mais voilà, des fois, ils n'ont pas toujours les mêmes modèles entre la boutique et le corner, mais ils sont hyper sympathiques puisqu'ils font revenir des modèles de la boutique dans le corner pour que je puisse payer avec ma carte Galeries Lafayette. Bref, tout ça pour dire que le Cecilia, je l'avais vu dans leur boutique, j'avais flashé sur le modèle. Alors, je pense qu'il a un petit air du Jody de chez Bottega Veneta. Dites-moi en commentaire si vous trouvez vous aussi. Mais par contre, ils le vendent 600 euros. Enfin, 600 euros pour un sac premium, là, on est quand même limite sur un prix de sac de luxe. Mais bon, en même temps, vu que tout augmente, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'un sac de luxe en dessous de 1500 euros, t'as plus rien, mais vraiment, t'as plus rien. Donc bref, on vit dans un monde où tout devient hyper cher, quoi. Tout devient hyper cher. Bon, là n'est pas la question. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, j'ai eu... Je pense toute leur collection à un moment donné, soit en visuel dans leur boutique, soit dans ma main, hein. Je m'en suis servie. J'ai pas souvent acheté en seconde main Zadig et Voltaire, pour pas dire jamais, je pense. Non, je ne crois pas avoir déjà acheté. Si, j'avais acheté un petit Sony que je vous avais montré en couleur vert. Alors, la gamme Sony et la gamme Rock, pochette Rock, ce sont des sacs que j'aime beaucoup, mais qui pour moi, je trouve...
font très adolescents. Donc, c'est des sacs que je n'ai pas gardés, je les ai revendus. Zazig et Voltaire se revend très bien en seconde main, dans le sens où je pense que je n'ai pas perdu d'argent. Mais voilà, je trouve que sur une femme de 40 ans, un petit peu plus même, 40 ans et quelques mois, ça passe plus. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que la marque Zadig et Voltaire correspond à un public un petit peu plus jeune que moi ou est-ce que je me fais des films. Par contre, la pochette rock Zadig et Voltaire, je l'ai eue dans plein de déclinaisons, notamment une avec des étoiles, si je dis pas de bêtises. Ouais, elle était canon. Mais alors d'une, je trouve qu'elle fait vraiment trop ado. Et de deux, on n'y met rien dedans. Dans ce sac, on n'y met rien parce qu'en fait, elle a exactement la même forme que le sac Rocky. Mais c'est comme si elle avait un seul compartiment. Donc si ce compartiment, vous le bourrez trop, bah, ça fait une forme dégueulasse au sac, quoi. Donc moi, vous savez que j'accorde une très grande importance à comment ressemble le sac quand il est chargé. Donc tout ça pour dire que celui que j'ai gardé et que je garderai tout le temps, je pense, j'ai pas du tout envie de m'en séparer. C'est un sac qui, en plus, une fois de plus, me rappelle de très bons souvenirs. Donc c'est le sac Rocky de chez Zadig et Voltaire. Donc en fait c'est exactement le modèle de la pochette rock mais en version sac. Donc vous avez deux compartiments quand vous l'ouvrez, donc poche avec deux aimants sur le dessus. Ici vous avez une première bandoulière large, donc ça on adore parce que pour le porter crossbody c'est bien plus agréable que la chaîne. Et la chaîne, alors pareil, on a deux chaînes. Franchement ils sont pas avares en termes de bandoulière. Donc vous en avez une qui est un petit peu plus longue que l'autre. Hop. Donc il y en a une qui est un peu comme les chaînes Hermès avec du cuir entrelacé et une qui est juste beaucoup plus rock. Voilà. Zadig et Voltaire aiment bien le côté rock. Donc en fait vous pouvez ici mettre sur le côté vos bandoulières. C'est très qualitatif au niveau du fermoir aussi. Et vous pouvez mettre plusieurs bandoulières. Alors juste à faire attention dans le sens où les bandoulières en chaîne sont assez lourdes. Mais par contre, ça vous change vraiment le style du sac. C'est-à-dire que voilà, porter le sac avec ça ne rend pas du tout le même effet que porter avec ça. Mais l'autre avantage, c'est que vous pouvez accumuler les bandoulières en mettant... Alors d'ailleurs, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit de ce sac, celle-là. Oh, j'ai un gros doute. Si, je pense. Hein. Si, je crois que j'avais eu les trois chaînes. J'ai un gros doute. Dites-moi dans les commentaires si vous possédez la... Attends, je vais regarder sur leur site. Hop. Combien il y a de bandoulières avec... Oh, si je vous vends le truc alors qu'il n'y a qu'une seule... Non, il y a deux bandoulières, c'est sûr. Oui, donc je vous dis une grosse bêtise. En fait, cette bandoulière n'était pas avec ce sac. Alors, je ne sais pas pourquoi elle s'est retrouvée dans ce sac à main. Ça, c'est moi tout craché. Je pense que c'est quand même une Zadig et Voltaire, non? Est-ce qu'il y a marqué sur leur... Vous conviendrez à quel point je prépare mes vidéos. Ne me jetez pas la pierre. Bon, donc celle-ci n'est pas avec le sac Zadig et Voltaire. Pourquoi? Parce que sur les bandoulières Zadig et Voltaire, vous avez ici... Alors, il ne va pas se pousser. Vous voyez? Je ne sais pas si vous verrez. Mais c'est marqué Zadig et Voltaire. Donc, en fait, il est... livré avec cette bandoulière-là qui fait très rock et l'autre qui est tombée par terre et celle-ci qui est tout aussi qualitative. Franchement, je l'adore cette bandoulière. Je m'en sers d'ailleurs sur d'autres sacs. Moi, j'aime beaucoup mixer les bandoulières d'un sac à l'autre. Donc, vous voyez, celle-ci, donc, elle est bien évidemment réglable hein, et de beaucoup. Et on peut porter, mettre les deux bandoulières. Donc, je vous ferai des... Bah, tiens, je vais vous mettre les images portées maintenant.
Donc voilà pour les différentes portées. Donc ensuite, vous avez une grande poche plaquée à l'arrière qui est hyper pratique. Bah voyez, pourquoi j'ai des... Je m'en sers encore ce sac. Hein. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas appris, mais voilà. Ensuite, vous avez sur le dessus où vous pouvez ici ouvrir. Donc exactement comme la pochette Rock, vous avez la poche qui peut aller jusqu'en bas. Donc je garde toujours le petit certificat. Tiens, d'ailleurs, ça va nous permettre de regarder si le sac a augmenté ou pas. Combien je l'avais payé à l'époque? Ça va pas être marqué. Non, je crois pas. Je crois pas que ce soit marqué. Rocky Bag. Faudrait que je regarde dans mes factures parce que je garde en principe... je pense que je l'avais... Je sais pas si je l'avais pas acheté sur le site de Zalando. Je sais qu'ils font la marque Zadig et Voltaire et des fois, vous pouvez avoir soit du cashback, soit des très bons plans de code promo. Donc, pensez toujours à faire une recherche Google quand vous cherchez un sac. Ça marche pour Zadig et Voltaire, mais ça marche aussi pour les autres marques. Des fois, vous pouvez trouver le sac moins cher sur des sites de revendeurs plutôt que sur le site en direct, ce qui est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et donc, moi, dans cette pochette, personnellement, je n'y mets rien parce que ça va vraiment déformer le sac. Mais à l'intérieur, vous avez ici la petite poche plaquée Zadig et Voltaire. Enfin, le logo de la marque, voilà. Vous avez une poche zippée au milieu. Donc, dans celle-ci, elle est grande aussi. Hein. Il est mou, le sac, vous pouvez mettre tout. Et vous avez deux poches zippées. Donc, au niveau des dimensions, le modèle Rocky mesure 27 cm ici. Donc, par exemple, je vais vous attraper mon petit belette. Ça vous donne une idée. Ça, c'est mon carnet, donc carnet A5 qui peut rentrer dans le sac, vous voyez. Donc, mine de rien, enfin pour moi, c'est quand même un sac grand, mais je trouve qu'il ne fait pas grand sur moi, sur mon gabarit. Pour rappel, je fais 1m60. Donc, vous pouvez rentrer largement vos téléphones. Je vais vous le montrer, tiens, rempli à quoi il ressemble. J'ai pas mon sac à main, il est dans la voiture. Mais par exemple, si on met un carnet, donc mon téléphone, hop. On va dire que ça fait office de porte-monnaie. Bon, vous voyez, on peut vraiment le charger. Même le téléphone, en fait, vous pouvez le mettre dans la poche à l'arrière. Ça passe amplement. Vous voyez? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, vraiment, c'est mon sac préféré de la marque. Et je trouve qu'il dépasse très, très largement la pochette Rock qu'on voit sur tout le monde. Ils ont sorti d'ailleurs en taille nano. Alors, elle est très belle. Elle a 50 000 déclinaisons. Mais franchement, tu rentres même pas le téléphone dedans, quoi. Le téléphone ne passe pas dans la pochette nano Rock. Donc ça, pour moi, si le sac ne te laisse pas la possibilité de mettre au moins ton téléphone portable, non, moi, je passe à côté, quoi. Next. Vraiment. Après... j'avais eu aussi le modèle Kate que j'avais trouvé hyper beau quand il était sorti, mais par contre hyper cher aussi. Je crois que, alors là je suis sur le Kate Wallet, il est à 445 €. En normal il est à 495 €, donc le prix pique un peu, mais c'est surtout qu'on est sur du cuir lisse et moi je préfère le cuir grainé au cuir lisse. Et c'est un sac très structuré aussi, donc je préfère celui-ci. Donc voilà, ça c'était vraiment mon sac préféré de la marque. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, quel est vous votre positionnement par rapport à la marque Zadig et Voltaire. Et autre chose, je pense que c'est une marque sur laquelle vous pouvez facilement vous tourner pour faire un cadeau sur une première acquisition de sac premium. Voilà, moi je trouve que c'est un très bon compromis. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à mardi pour une prochaine vidéo. Très bon dimanche. Salut !